rester sans bouger sur votre vélo, c'est cool de remettre le masque. Ok, merci. Depuis début septembre, ces brigades sanitaires contre le coronavirus quadrillent le campus universitaire de Strasbourg. Ces étudiants ont pour mission de rappeler à tous les gestes barrières. Les gens respectent de manière générale, mais peut-être que l'université a peur d'un relâchement s'il n'y a plus une présence pour leur rappeler que c'est toujours d'actualité. Ici, le taux d'incidence a dépassé les 220 cas pour 100 000 habitants et ce chiffre ne fait qu'augmenter chaque jour. Face à cette progression du virus, l'université demande aux étudiants de ne pas rentrer dans leur famille à la Toussaint, un appel qui semble avoir été entendu. Ça se propage très vite, donc il faut éviter, il faut limiter les mouvements un maximum, donc c'est normal. Si le taux d'incidence augmente assez rapidement en France, c'est sûr que sur le campus, on doit s'inquiéter quand même. D'autant que les étudiants positifs Covid sont majoritairement asymptomatiques ou peu symptomatiques. Dans votre famille, il y a des personnes qui sont vulnérables, et ces personnes vulnérables, il ne faut pas les contaminer. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Il faut protéger ces personnes vulnérables, parce que c'est ces personnes vulnérables qui peuvent remplir les lits de réanimation. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Incités mais pas contraints de rester sur le campus, les étudiants qui souhaitent rejoindre leurs proches lors des vacances sont invités à se faire tester pour éviter tout risque de contamination.